Dans le fracas de la Première Guerre mondiale, saigné par les combats, éprouvé par la faim, la Russie des tsars, que l'on croyait éternelle, entre en révolution. Pour tout un peuple, l'espoir renaît. Et le rêve ne va pas durer. Alors que le chaos se propage dans le pays, une poignée d'hommes va s'emparer du pouvoir et changer le destin de l'humanité. La postérité n'a retenu que la révolution d'octobre. Elle a oublié que celle de février aurait pu conduire la Russie vers un autre destin. Les hommes font l'histoire, mais ils ignorent l'histoire qu'ils font. Février 1917. L'hiver a blanchi la toundra. Il a gelé le cœur des hommes. Le terrible hiver russe qui attise les tourments est de retour. Depuis près de 3 ans, la Grande Guerre déploie son ombre sur l'Europe. Sur le front Est, la Russie impériale combat l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Les offensives ennemies ont décimé ses troupes. Les victimes se comptent par centaines de milliers. Bientôt, l'armée du tsar, réputée invincible, montre des signes de faiblesse. Elle manque d'obus, de munitions, d'équipements. À Londres, comme à Paris, les Alliés s'interrogent. L'armée russe va-t-elle tenir dans ces conditions ? Un matin, les nouvelles qui parviennent de la capitale russe ajoutent à l'inquiétude. Petrograd, 19 février. Ces jours derniers, les queues sont interminables à la porte des boulangeries. La farine manque. On entend des protestations monter de la foule. Les femmes tremblent de froid. Les enfants s'évanouissent. Depuis le début du conflit, Claude Anet, le correspondant du journal Le Petit Parisien, détaille dans ses chroniques l'humeur de la cité des tsars. Témoin de ces scènes alarmantes, le journaliste français ne se doute pas qu'elles annoncent le plus grand bouleversement du XXe siècle. Hier encore, tous les observateurs étrangers parlaient de la Russie impériale comme d'un colosse invulnérable. Forte de 14 millions d'hommes sous les drapeaux, elle faisait figure de roc pour ses alliés. Dans une Europe balayée par la guerre, la dynastie des Romanov, au pouvoir depuis 3 siècles, affichait son assurance face à l'adversité. Puissance et stabilité avaient attiré les investisseurs. Sous l'afflux des capitaux, jour après jour, des usines étaient sorties de terre. En quelques années, la Russie était entrée dans la modernité. Mais ce développement brutal cache de sinistres réalités.
Malgré le rendement colossal des terres agricoles, les paysans ont du mal à survivre. À peine sortis de siècles de servage, ils triment dans la crasse, la misère et le choléra. Dans les villes, les ouvriers, auxquels on donne encore parfois le fouet, sont exploités sans vergogne. Le grand écrivain Maxime Gorki témoigne pour eux. Jour après jour, toute notre vie, nous crevons dans le travail, dans la boue, dans la tromperie. Pendant que d'autres se gavent et se divertissent au prix de nos peines, et nous tiennent comme des chiens à la chaîne. Notre vie, c'est la nuit. Une nuit sombre. Mais cette colère sourde n'a pas voix au chapitre. Nicolas II, tsar de toutes les Russies, régnant maître sur ses 160 millions de sujets. Son unique concession à l'époque est la création d'un parlement, la Douma. Une assemblée de notables dépourvus de pouvoir face au sien qui est infini. Le tsar a privé son pays de toute vie politique. Il brise systématiquement par la violence les soulèvements populaires. En ce début 1917, pour les opposants au régime, le combat politique se mène depuis l'étranger. Parmi les exilés les plus actifs, certains sont déjà célèbres. Lev Davidovitch Bronstein, de son nom de guerre Léon Trotsky, s'est évadé de Sibérie. Chassé de plusieurs pays d'Europe pour ses convictions pacifistes, il s'est installé aux États-Unis. Sans relâche, il milite pour l'union des prolétaires de par le monde. Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, a trouvé refuge en Suisse. Figure internationale de la pensée marxiste, depuis 30 ans, il lutte contre l'autocratie. Son être tout entier n'est voué qu'à un seul but, une seule idée, une seule passion, la révolution. Même s'il confie des abusés, nous autres les vieux, nous ne vivrons sûrement pas assez longtemps pour la voir. Pourtant, c'est dans la capitale impériale, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, que l'histoire est sur le point de basculer. De part et d'autre du fleuve Neva, deux mondes se font face. Au sud, bat le cœur du pouvoir, tandis que la rive nord abrite les faubourgs ouvriers. Toutes les révolutions commencent par le pain. Petrograd n'en dispose plus que pour une dizaine de jours. L'heure du rationnement a sonné. Petrograd, 20 février. Les affaires ne vont pas mieux. Au petit jour, dans l'aube glacée, ma cuisinière a attendu 4 heures pour avoir deux petits pains. Par suite de la crise des transports, qui est aiguë, le charbon n'arrive pas en quantité suffisante. Des usines travaillant pour la défense nationale ont dû ralentir la production, ou fermer. C'est le cas de l'usine d'armement Poutilov, située dans le quartier populaire de Viborg, véritable bastion industriel du pays. Faute de matières premières, 24 000 salariés sont jetés à la rue. La peur du lendemain met le feu aux poudres.
Camarades, si nous ne pouvons obtenir une miche de pain en toute justice, eh bien nous résoudrons notre problème par la force s'il le faut, s'écrie un ouvrier. La colère ne tarde pas à se propager. Très vite, elle déborde le quartier. La foule grise des faubourgs déferle vers le cœur de la cité pour réclamer des mesures d'urgence. Chacun attend une réaction du tsar. Mais le tsar est à Moguilev, à plus de 700 km de Petrograd. Nicolas II a pris la direction des opérations militaires pour galvaniser ses troupes. Il pense que la guerre peut encore ressouder son peuple autour de la couronne, alors qu'elle attise tension et rancœur. En son absence, l'impératrice Alexandra inonde son mari de lettres rassurantes. Les troubles, elle ne s'en soucie guère. Que Dieu te bénisse et te permette de voir de plus près nos vaillantes troupes. Ta présence leur donnera la force et le courage. Ne t'inquiète pas pour ce que tu as laissé derrière toi. Mon amour, je suis là. Ne ris pas de ta vieille et sotte petite femme. Elle porte des pantalons invisibles. Pourtant, dans la capitale, de nouveaux débordements s'annoncent. Pour les endiguer, les ponts qui relient les deux parties de la cité sont levés. Les faubourgs ouvriers sont coupés du centre-ville. Mais le pouvoir oublie un détail. À cette époque de l'année, la Neva est prise par les glaces. Et lors de la Journée internationale des femmes, ce sont des milliers d'épouses, de mères, de filles qui traversent à pied le fleuve gelé pour défiler dans les beaux quartiers. Une foule de curieux observe ce déferlement pacifique. Le lendemain, 24 février, les manifestations prennent de l'ampleur. Des usines se mettent en grève. Plus de 200 000 personnes sont dans la rue. Les protestations prennent un ton résolument politique. Des centaines d'attroupements se forment. Des meetings s'improvisent. En face de la gare, des orateurs haranguent la foule, criant « À bas le gouvernement ! À bas la guerre ! » On entend même « À bas le tsar !» D'une minute à l'autre, la situation peut changer et devenir grave. La révolution est en marche. Loin de Petrograd, au quartier général des forces armées, Nicolas II reçoit à présent des nouvelles irritées de la tsarine. Mon chéri, quel temps affreux vivons-nous ? Des filles de bas étage courent et crient qu'elles n'ont pas de pain, simplement pour créer de l'agitation. De même, les ouvriers empêchent les autres de travailler. Dieu t'a chargé d'une croix terriblement lourde à porter. Seulement, sois ferme. Montre-toi autoritaire. C'est cela qu'il faut aux Russes. Fais sentir ton poing à présent. Le tsar entend bien régler le problème à distance. Son télégramme est sans appel. J'ordonne de faire cesser par la force, avant demain, les désordres. L'armée et les forces de police se dressent face aux manifestants. Ils refusent de se disperser. La troupe tire. La foule s'enfuit, éperdue.
Il y a des morts, des blessés. Bientôt, le centre de Petrograd prend l'allure d'un camp retranché. On se bat tout l'après-midi. Les autosanitaires passent sans cesse. Dans un seul hôpital, on reçoit 300 blessés. Cette nuit-là, dans les casernes de Petrograd, la fièvre monte. La plupart des soldats sont des paysans, des artisans ou des ouvriers, contraints par la guerre de servir sous la bannière du tsar. Choqués d'avoir dû tirer sur leurs frères, ils se mutinent et rejoignent, l'un après l'autre, le camp des insurgés. Coupé des réalités, le tsar néglige les télégrammes alarmants que son état-major reçoit de la capitale. Au matin du 27 février, le journaliste français est saisi par le spectacle de la rue. C'est une fusillade incessante. Les soldats tirent en l'air. Ils se dirigent vers l'arsenal voisin. Je les suis. Ils en font le siège. Je les vois donner des fusils aux ouvriers. Le spectacle est prodigieux. Près de 40 000 fusils et 30 000 revolvers vont être ainsi distribués. Ce même jour, Nicolas II se décide enfin à rejoindre la capitale, déterminé à mater la rébellion. Mais le convoi impérial n'arrive pas à frayer son chemin. Prétextant des ponts détruits ou des voies inutilisables, les cheminots le détournent sans fin. Pendant ce temps, à Petrograd, le pouvoir de Nicolas II se désagrège. Sous les ors du palais de Tauride, les députés de la Douma se dressent contre le tsar. Au cours d'une session extraordinaire, ils prennent leur autonomie. Dans une salle voisine, soldats et ouvriers s'organisent en assemblée. Dans l'urgence, ils élisent 600 délégués chargés de les représenter. Le Soviet de Petrograd. Ce soir-là, dans un même élan, tous ces hommes forcent le destin. Le 28 février. Près de l'entrée du palais de Tauride, la foule est si serrée que je puis à peine passer. Me voilà au centre de la révolution russe. Partout, des soldats armés, quelques civils. Par terre, des boîtes de conserve vides, des boîtes de cigarettes, les débris de la nuit passés là par 2000 hommes. L'un d'eux me dit « Vous voyez tout ce que nous avons fait en un jour ?» Partout, joie extraordinaire. Les gens s'embrassent. Les soldats sont gais et triomphants. Désormais, le tsar n'a plus aucun soutien. Au milieu de la steppe, il est toujours bloqué dans son train. Pire, conscient qu'une page vient de se tourner, son état-major le pousse à abdiquer, pour le bien de la Russie. Résigné, Nicolas II renonce au trône.
la révolution triomphe. La dynastie des Romanov, qui régnait hier sur 160 millions de sujets, a disparu dans la tourmente. Il a suffi de quelques régiments passant au peuple, dans Petrograd, la capitale, pour que les maîtres de cet empire colossal rentrent dans l'ombre. On est même stupéfait de voir que la révolution ait été acceptée sur toute l'étendue du pays. La volonté d'un peuple vient d'entrer dans l'histoire. La presse internationale annonce son avènement. À Paris, la victoire s'enflamme. C'est le plus grand événement de l'histoire du monde depuis la Révolution française. À Londres, le Times déclare « Ce profond changement inaugure une ère de liberté et de progrès humain. » À New York, pour Léon Trotsky, révolution rime avec amnistie. Enthousiaste, il s'embarque pour rejoindre sa patrie. Mais son retour dans une Europe en guerre va être plus long que prévu. Et sur les bords du lac de Zurich, où il effectue sa promenade quotidienne, Lénine s'exclame en apprenant la nouvelle, renversant. Incroyable. Tellement inattendu. Convaincu que cette première étape de la révolution ne sera pas la dernière, il décide de revenir au pays, à tout prix. Mais après un aussi long exil, qui l'attend encore en Russie? Pour l'heure, Petrograd pleure ses morts. Les victimes de février sont inhumées au cœur de la capitale. Plus d'un million d'habitants sont venus leur rendre un ultime hommage. Claude Anet est impressionné par l'ampleur de la cérémonie. Les groupes qui défilent devant moi sont diversement composés. Voici des miliciens, brassards blancs au bras, fusils sur l'épaule. Voici des bourgeois. Voici des soldats. Mais la foule innombrable, ce sont les ouvriers et les ouvrières. Celle-ci passe, le fichu de laine entourant la tête, suivant la mode des femmes du peuple. Ce flot de manifestants coule lentement, sans à-coups, avec de brefs arrêts, d'un coin à l'autre du champ de Mars. Et leurs silhouettes noires se détachent en masses sombres sur le blanc de la neige. En ce premier jour férié de la Russie nouvelle, tous les acteurs de la révolution ont répondu présent. Conservateurs et socialistes, aristocrates et roturiers, tous ont contribué à renverser un régime qui se croyait éternel. Mais il faut maintenant gouverner. Et sous le dôme du palais de Tauride, concilier deux visions de l'avenir. D'un côté, celle des députés de la Douma, qui veulent une Russie capitaliste et libérale. De l'autre, celle de la nouvelle assemblée issue de la Révolution, le Soviet, à majorité socialiste. Ses délégués aspirent à un monde de justice et d'égalité. Après de longues tractations, les deux organes s'entendent pour former un gouvernement provisoire, à majorité libérale. Alexandre Kerensky, un socialiste modéré, est le principal artisan de ce compromis. Nommé ministre de la Justice, il est l'homme que la révolution fait sortir du rang. Son ambition va faire le reste. Le premier objectif de ce gouvernement est simple: instaurer la liberté. Le décret numéro 1 est immédiatement promulgué. Abolissant les châtiments corporels dans l'armée, il rend aux soldats sa dignité. De sujet, il devient citoyen à part entière.
Sur le front, les hommes fêtent leur nouveau statut. En quelques semaines, des mesures spectaculaires sont prises. Elles rompent, sans esprit de retour, avec l'ordre ancien. Liberté de réunion, d'expression, de presse, amnistie générale, abolition de la peine de mort, suffrage universel. Partout, des conseils populaires se mettent en place. Il n'est pas de ville en Russie qui ne possède son soviet, où la population exprime ses doléances et affirme ses revendications. Le pays se rêve le plus libre du monde. De Vladivostok à Mourmansk et de Tachkent à Odessa, la mosaïque des peuples qui composent l'Empire, opprimés jusque-là, prétendent aujourd'hui à l'autonomie. Dans les campagnes, les paysans se réjouissent et affirment leur idéal. Posséder un lot de terre, en fonction des bouches à nourrir. Quelques mois plus tôt, ils courbaient encore l'échine. Enfin, pour la classe ouvrière, la promesse d'une existence meilleure se dessine. Bientôt, le salaire ne serait plus de misère. 40 heures de travail par semaine deviendraient la règle. Et la sécurité de l'emploi serait garantie. En ce printemps 1917, les banderoles proclament « Pour une république démocratique, pour la paix, pour la terre et le pouvoir au peuple ». L'espoir est immense. En cette fin de mois de mars, un train quitte Zurich et emporte un homme vers son destin. À son bord, Lénine. Un opposant résolu à la guerre, cette guerre impérialiste qui décime sous la mitraille le prolétariat du monde entier. Son exil forcé a nourri sa doctrine, forgé sa patience, trempé sa détermination. L'heure est enfin venue pour lui de rentrer dans l'arène. Le fameux Lénine est arrivé hier soir à Petrograd. C'est le plus rouge des rouges. Ce Lénine veut la paix, sans retard, et quelle qu'elle soit. Voilà la thèse qu'il vient défendre en Russie. Dès le lendemain, Lénine présente son programme devant le Soviet. Si son prestige est grand, son parti, le parti bolchévique, est très minoritaire. À peine 5000 militants dans Petrograd, pour 2 millions d'habitants. Face à l'Assemblée, ces mots d'ordre claquent. « Abat la guerre !» parce que c'est une guerre capitaliste. « Abat le gouvernement provisoire !» qui est un gouvernement bourgeois. « Tout le pouvoir aux soviets !» donc au peuple. L'assistance est sidérée. Y compris dans son propre camp. J'ai peur qu'Ilitch ne donne l'impression d'être devenu fou, confie un délégué bolchévique. Un autre déclare : ces idées nous parurent à tous parfaitement irréalistes. Lénine est seul, et pour cause. Son programme, trop radical, effraie. Pour les hommes du Soviet, il faut d'abord mener jusqu'à son terme le projet démocratique engagé aux côtés des libéraux. Et bien sûr, il faut poursuivre la guerre, mais pas à n'importe quelles conditions. Le Soviet veut forcer le gouvernement à renégocier les traités conclus entre le Tsar et ses alliés, pour qu'ils respectent le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Une folle utopie que rejettent les ministres. La crise est si violente qu'elle provoque la création d'un nouveau gouvernement. Une cohabitation inédite entre socialistes et libéraux s'installe à la tête de la Russie.
Nommé ministre de la guerre, l'ambitieux Alexandre Kerensky poursuit son ascension. Et pour rassurer les alliés, il lance un pari risqué. Face à un état-major réticent, il décide de déclencher une grande offensive contre les Allemands. Le 18 juin, l'armée russe passe à l'attaque. Mais l'enthousiasme est de courte durée. En deux semaines, 400 000 hommes sont tués, blessés ou faits prisonniers. L'armée russe est humiliée. L'échec frappe le gouvernement de paralysie. Tétanisé, les ministres n'engagent aucune réforme, part au plus pressé. Pour la population impatiente, cette révolution tant souhaitée tarde à tenir ses promesses. Dans Petrograd, la révolte gronde. Les convictions les plus diverses s'expriment d'un quartier à l'autre. Débordé par la base, le soviet perd le monopole de la rue. Sur Nevski, des anarchistes appellent au pillage des banques. Plus loin, des nationalistes ukrainiens exigent l'indépendance. À Vyborg, berceau de la révolution de février, les travailleurs qui ont imposé la journée de 8 heures veulent maintenant contrôler l'embauche et les licenciements. Tandis qu'au quartier général des bolcheviks, transformé en forteresse, Lénine, sans relâche, harangue la foule. On le croyait fini, mais c'est un homme de combat. La révolution bourgeoise est dans l'impasse. En ses jours troublés, il avance ses pions. La pensée et la volonté de Lénine étaient à la mesure des grandioses possibilités révolutionnaires du pays et de l'époque. Aux autres, il manquait quelques centimètres, ou le double, et souvent davantage, écrit Léon Trotsky. Après de nombreuses péripéties, il a réussi à échapper aux Alliés, qui redoutaient de voir ce pacifiste notoire débarquer en Russie. À peine arrivé, Trotsky choisit de rejoindre la radicalité bolchévique. Lui qui aurait pu être un redoutable concurrent pour Lénine, devient son brillant second, l'indispensable allié. Jour après jour, les thèses de ce petit parti gagnent du terrain, martelées par son journal, la Pravda. Sur le front, les consignes bolcheviques trouvent un écho. La Pravda a trouvé un moyen nouveau d'arriver à la paix tant désirée. Ce moyen est la fraternisation des soldats russes avec les soldats allemands. Quitter ses tranchées, se rendre aux tranchées ennemies, pourquoi continuer à se battre? La guerre n'a-t-elle pas assez duré? Embrassons-nous, nous sommes des frères. Boire avec eux de l'eau de vie et parler de la paix. Voilà le touchant et honteux spectacle auquel les bolcheviks nous convient. Pour enrayer ce mouvement subversif, le gouvernement se décide à agir. Mais il va commettre une erreur de taille. Début juillet, les mitrailleurs de Petrograd, acquis aux idées bolcheviques, sont sommés de rejoindre le front. Héros de février, ils avaient pourtant reçu l'assurance de ne pas repartir au combat. Révolté, le régiment refuse d'obéir et menace de renverser le gouvernement.
Petrograd renoue avec les fièvres de février. Des milliers d'hommes en armes, rejoints par des comités d'ouvriers, traversent la ville, prêts à en découdre. Après des mois de frustration, il est temps que cette révolution passe aux actes. Un seul mot de Lénine et le gouvernement tombe. Contre toute attente, Lénine appelle à la modération. En privé, il déclare « Si nous étions maintenant capables de prendre le pouvoir, il est naïf de croire que nous serions à même de le conserver. Il ne faut pas précipiter les événements. Le temps est de notre côté. » Désemparés, les manifestants se répandent en désordre dans le centre-ville. Sur Nevski, quelques rafales tirées depuis les toits par des troupes loyales au pouvoir sèment la panique. Le gouvernement se ressaisit. Il proclame l'état d'urgence et se lance à la chasse aux fauteurs de troubles. Des centaines de militants bolcheviques sont arrêtés. Le parti est décapité. Trotsky est emprisonné dans la forteresse Pierre et Paul. Accusé de haute trahison, recherché, Lénine se déguise et parvient à s'enfuir en Finlande. 3 mois après son retour en Russie, l'exil redevient son lot. Les désordres propulsent Kerensky à la tête d'un nouveau gouvernement. L'homme bénéficie toujours d'une forte popularité. Mais le socialiste Kerensky doit désormais composer avec les exigences des libéraux. L'ordre doit être rétabli, à tout prix. Pour les satisfaire, il multiplie les mesures autoritaires. Restauration de la peine de mort pour les déserteurs. Limitation des droits des comités de soldats. Sur le front, le gouvernement est incapable de les faire appliquer. Entre juillet et octobre, plus de 2 millions de soldats, affamés et usés par les combats, désertent. Les hommes voulaient la paix, la terre et la liberté. C'était un miracle qu'il reste encore plusieurs millions de soldats sous les drapeaux, confie un officier. Mais si les combattants russes quittent massivement le front, c'est aussi qu'une rumeur insistante se propage. Le partage des terres va commencer. Issus des quatre coins de l'Empire, ces paysans enrôlés dans l'armée ne veulent pas arriver trop tard au village pour recevoir leur lot. Pourtant, la réforme agraire tant promise ne vient toujours pas. Les villageois décident alors de l'appliquer, à leur manière. Ici, ils réquisitionnent le bétail. Là, ils refusent de céder la récolte. Les pillages des domaines seigneuriaux se multiplient. La révolution se pare des couleurs de l'anarchie. Loin de Petrograd, la réaction s'organise à Moscou. Les milieux d'affaires, les industriels, les grands propriétaires, l'union des officiers, tous considèrent que la révolution est allée trop loin. Il est temps d'y mettre un terme. En cette fin août, c'est une figure militaire qui s'impose, un général de fer. Lavre
Kornilov. Un homme à poigne qui tient ses troupes. Il a fait fusiller les déserteurs, interdit les comités de soldats. Lui aussi souhaite que l'ordre revienne, pour, dit-il, sauver la Russie. Le spectre d'une dictature militaire se profile. Mesurant le danger, Kerensky démet le général de ses fonctions. Kornilov réplique aussitôt. Il lance ses cosaques à l'assaut de la capitale. La contre-révolution n'est plus un fantôme. Elle est devenue réalité. Kerensky mobilise alors tous les partisans de la révolution, y compris ses anciens adversaires, les bolcheviks. Libérés de prison, ils activent leur réseau clandestin. Les cheminots détournent les trains militaires, déboulonnent les rails. Les standardistes bloquent les communications. Les régiments de Petrograd prennent position pour défendre la ville. Mais l'affrontement n'aura pas lieu. Les troupes de Kornilov refusent de combattre leurs frères et finissent par rendre les armes. En quelques jours, le mouvement est réduit à néant. La contre-révolution a vécu. En cette fin d'été 1917, la Russie sombre peu à peu. L'économie est quasiment à l'arrêt. Désormais, que reste-t-il des espoirs de février ? Le découragement est partout. Plus grands avaient été les espoirs fondés sur la liberté gagnée, plus profonde est la déception à voir que le pays est, pour l'instant, incapable de se diriger lui-même. 8 mois de révolution laissent la Russie accablée. Parmi la population, le désespoir a atteint son comble. Et une autre révolution se prépare. Début octobre, alors qu'il est toujours recherché par la police, Lénine revient clandestinement à Petrograd. Jusque-là, il avait joué la montre. Le temps est venu de passer à l'action. Quelques semaines plus tôt, Léon Trotsky a conquis la présidence du Soviet de Petrograd. De son côté, Kerensky tente de relancer le processus démocratique. Un conseil, chargé de préparer des élections, est mis en place. Fidèle à l'esprit de février, tous les partis y sont représentés. Mais dès la première réunion, Trotsky, à la tête de la délégation bolchevique, refuse de participer au débat et quitte l'Assemblée. Trotsky a rompu avec les autres factions socialistes. On sent et on sait Lénine derrière lui. Chacun ne sait-il pas que Lénine, le dieu Lénine, est rentré à Petrograd, où il se cache à peine. Qu'a-t-il à redouter de Kerensky ? Lénine et Trotsky ont compris le néant de leurs adversaires, l'inutilité des conférences, des préparlements, des bavardages sans fin dans les salles où se réunit la démocratie nouvelle. Ils ont quitté les assemblées délibérantes en claquant les portes derrière eux. Aux soldats éprouvés par la guerre, les bolcheviks proposent la paix. Aux paysans affamés, ils promettent la terre. Et ils offrent au prolétariat le contrôle ouvrier des entreprises. Des promesses qui répondent désormais aux aspirations des masses. Encore faut-il conquérir le pouvoir.
Dans le plus grand secret, Lénine réunit la direction du parti bolchevique. Il convainc la majorité de lancer une insurrection armée. Mais le temps presse. Le congrès de tous les soviets de Russie doit se tenir fin octobre à Petrograd. Et Lénine ne veut pas composer avec les autres factions socialistes pour guider le destin du pays. Il serait naïf d'attendre que les bolcheviks aient une majorité formelle. Aucune révolution n'attend jamais cela. L'histoire ne nous pardonnera pas si nous ne prenons pas le pouvoir maintenant, dit-il. En cette mi-octobre, malgré le vent du nord qui glace les eaux, la perspective Nevski charrie son habituel fleuve humain. Parmi la foule qui se bouscule, nul ne prête attention à ces petits groupes d'ouvriers, de soldats, de matelots. Furtifs, ils mènent depuis plusieurs jours des manœuvres de reconnaissance. Nul ne soupçonne qu'ils répètent un scénario minutieusement élaboré. La révolution est une affaire de tactique, dit Trotsky. Il faut simplement une petite troupe d'assaut et des techniciens. Il ne s'agit plus de déclencher une insurrection populaire, mais de conduire une opération militaire. Trotsky a conçu un plan basé sur la rapidité d'exécution, s'emparer des centres névralgiques de la capitale et ainsi prendre le pouvoir en Russie. Le 24 octobre 1917, les opérations commencent. Tous les groupes connaissent leurs objectifs. À leur hache, ils partent à l'assaut. Poste. Centrale téléphonique, télégraphique, banque, gare, centrale électrique. Les cibles tombent, une à une, sous leur contrôle. Personne dans Petrograd n'a conscience de ce qui se joue. Pas même Claude Anet. Onze heures du soir. Le silence règne sur la ville. On ne peut se faire une idée de ce qu'est le silence de Petrograd. C'est un silence de sépulcre, palpable, angoissant, qui finalement vous accable. Le plan de Trotsky a été réalisé dans la plus grande discrétion, sans violence. La capitale est aux mains des bolcheviks. Kerensky a perdu la partie. Le lendemain, déguisé en officier serbe, il quitte la capitale à bord d'une voiture battant pavillon diplomatique. À l'autre bout de la ville, le congrès des soviets de Russie ouvre sa première session. La majorité des délégués, qu'ils soient socialistes révolutionnaires, mencheviks ou travaillistes, condamnent le coup de force. Ils quittent aussitôt la salle. Avant de sortir, un ancien camarade de Lénine lance : un jour, vous comprendrez le crime dans lequel vous trempez. Trotsky réplique : vous êtes de pauvres types. Des types finis et pitoyables. Votre rôle est terminé. Allez où vous devez vous trouver, dans les poubelles de l'histoire. Les membres du Congrès restés présents valident la création d'un nouveau gouvernement, le Conseil des commissaires du peuple.
À sa tête, Lénine. Déclencher la révolution mondiale en Russie fut aussi facile que de ramasser une plume, dira-t-il. Le grand jour, je l'ai vu. Et de toutes les surprises de la Révolution, il m'a apporté la plus surprenante. Au coin de la Moïka, une section de soldats me croise. Ils marchent dans un ordre parfait, comme sous l'Ancien Régime. Je suis arrêté par des soldats et des marins. Ce sont les troupes de Trotsky. Elles sont maîtresses de la ville entière et y font régner un ordre que l'on n'a jamais vu depuis que la Révolution existe et qui nous reporte au temps de l'autocratie des tsars. Rester à Petrograd me paraît peu sûr. La liberté étant le premier des biens, je pars. En ce mois d'octobre 1917, la minorité qui s'empare du pouvoir porte encore les aspirations du peuple russe. À Petrograd se forge un monde nouveau. Il enfièvre le prolétariat qui, dans le monde entier, rêve à son tour de briser ses chaînes. Il fait surgir un géant, décidé à étendre le brasier de la révolution à tous les pays. Une grande lueur se lève à l'est, qui éclaire l'espérance des peuples. Elle les brûlera aussi, aux flammes de sa passion. President. Can you believe it, right?